Salut à tous pour une nouvelle vidéo sur New Super Mario Bros. U. Désolé si on est un peu saoulé, mais là, faut savoir voilà, allez. On commence. Donc, nous allons donc faire une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu commencé, mais qui s'appelle Mario. Voilà, donc qui s'appelle donc New Super Mario Bros. U. Donc, c'est le. Trop plaisir. Ouais, donc c'est. Alors, désolé s'il n'y a pas la cinématique, malheureusement. Mais parce qu'on a déjà commencé. Ouais, c'est ça, on avait déjà commencé. Parce qu'il y a eu un petit problème. Ouais. Nous a fait recommencer voilà. Deux fois. Mais non, c'est pas à peine de dire, mais bon. Voilà, oh on a eu quelques petits problèmes. Quoi? Donc, mais du coup, il n'y a pas de cinématique, mais la cinématique est vraiment bizarre. Donc, on connaît donc les deux. En fait, on connaît les deux premiers boss. Mais attends, Rémi, attends, ouais, attends, explique. Et d'abord, attends, les pièces. Les grosses pièces. C'est important. J'ai perdu mon gland. Oh. En fait, il y a des nouveaux ennemis. Après ça. Ce sont les écureuils. Voilà. C'est les espèces écureuils. Et donc. Ouais, attends, alors prends le gland. Prends le gland. Il y avait pas de... Voilà. Le gland, en fait, c'est un tanuki. C'est un espèce de tanuki version Wii U. C'est comme sur 3DS. Et tu peux planer, en fait. C'est pareil, en fait, que l'écureuil sur 3DS. Sur Super Mario Maker aussi, on peut le faire ça. Ouais. Mais c'est bizarre parce qu'on n'a pas ces fonctions. Ouais. Voilà. Donc c'est quand même une super fonctionnalité, franchement, j'avoue, c'est super. Moi, en tout cas, la cinématique, vraiment désolé que vous ayez pas. C'est Dark, what? Oh, wesh! Oh! Oh, c'est super! Dégage, tu voles toi aussi, mais meurs! Meurs, mec! Eh oh, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux tuer, lui! Perds pas le temps! Ah oui, il perd pas le temps. On va essayer, pourquoi pas, de faire le monde 1. Non, ça serait trop dur. Et ça serait trop rapide parce que faut faire en un quart d'heure. Voilà donc, en tout cas, Rémi va donc finir en beauté ce pot. Non, non, mais qu'est-ce que ça fait? Mais bravo, hein. Bon, c'est pas grave. Ah <Tu Hey. vois> On a même pas besoin du truc, quoi. C'est trop stylé le truc. What? Mais t'as vu sa position? Il est trop stylé, mais rien, on continue dessus. Bon, d'habitude, vous avez un peu du soleil sur la télé. Mais là, non. Parce qu'il fait tout en beau, bien évidemment. Dans les Midi-Pyrénées, dans le sud. Il fait beau, tout le temps. Donc là, ça vient de. Deux secondes, j'ai envie de. Il est 19h, c'est en train de s'ennuager. Bon, en tout cas, à tout de suite pour le deuxième niveau. Avant de passer au prochain niveau, on va vous montrer donc la carte. Alors attends, Rémi, il va pas trop vite. Donc voilà. Donc là, voici donc le prochain boss, le mini-boss. On peut dire du monde 1. Donc ensuite on continue et voilà. Et ça c'est le boss du monde 2. Ça c'est le niveau 2. Ouais. Et donc ensuite en fait, c'est toujours le même ennemi pour les mini boss. Je me souviens, c'était un peu comme ça, non? Ouais, sur la Wii, voilà. On a aussi Mario Bros Wii, si vous savez, voilà. En fait, c'est un peu le même genre, voilà. Donc voici toute la carte. Donc là en fait, là c'est encore plus stylé parce que là on peut voir toutes les cartes. Donc tu passes dans la forêt, tu passes dans la nuit. Les nuages comme... Voilà, tu passes dans les nuages. Ça c'est le dernier, ah non c'est le dernier. C'est le bruit que j'adore. Ah et alors là, t'es aussi dans les montagnes. Oui. Ouais, donc en fait il y a 8 mondes, c'est ça, il y a 8 mondes. Ouais mais attends, il est où le grand boss là? Mais le grand boss c'est pas... Non, on ira tout à l'heure. On cherchera un peu plus tout à l'heure parce que là, on a besoin donc d'avancer un petit peu. Parce qu'on a déjà perdu 4 minutes. Allez Rémi, comment t'as fait là? On passe donc... Au deuxième niveau, Phébé. Phébé. Voilà. Allez, c'est parti pour le deuxième niveau en Tanuki. Voilà. Tunnel turbulent. Alors, j'ai oublié de marquer. J'ai vu qu'en fait, maintenant il y a des noms de niveaux et c'est bien. C'est super. J'ai fait quoi là? Tu peux faire ça. Tu peux faire comme les écureuils en fait. Et vas-y, perds pas de temps. Ah, c'est une fleur. Non, je l'avais pas. Mais peut-être que t'en auras besoin. Mon écureuil, il est très bien. Après, c'est que le. Dégage! Pas des fleurs! Regardez mon écureuil! Wow! Wow! Et j'appuie sur rien! Je sais! Oh, tu passes au. Oh là là! Oh non, mais quel bruit! Mais je t'aimais, écureuil! Mais t'es sérieux? Wesh! Tu vas pas mourir dès le premier monde? Non! Quelle honte! Ouais, attention là. Fais pas n'importe quoi Rémi. Wow. Ok.
mon écureuil. La vache. C'est pas un écureuil, ils vont te donner un champignon. Ah oui. Comme tu savais, toi. Mais parce que tu étais déjà tué. Après, il y a aussi les tuyaux secrets et n'oublie pas qu'il faut attraper les grosses pièces, Rémi. Oui, mais ça, la plupart du temps, je le fais à la fin parce qu'au début, il faut se concentrer de gagner. Ouais. Les grosses pièces, peut-être qu'on fera. Ah oh, tu t'es fait tuer dès le premier. Dès le deuxième niveau, pardon. Bon, allez, à tout de suite. Non, mais ça reprend direct. Ouais, mais bon, allez, fais vite quand même, fais pas. Ok, à tout. C'est vrai que t'as même pas attrapé le drapeau. Ok, à tout de suite alors. Allez, cette fois-ci, ne foire pas ton coup. Voilà, c'est bien. Et puis voilà. Trop stylé. Mais quand tu veux. C'était ça le but. Et vas-y, prends-le. Mais tu fais exprès. Ah, ça fait comme sur Nintendo. C'est-à-dire que quand tu passes dans un endroit, ça fait apparaître des pièces. Tu te rappelles que les pièces sont aussi importantes parce que ça peut te récupérer une vie. Pour éviter un game over. Bon, dans le monde 1, ça risque pas, mais... Mais à partir du monde 2, ça va commencer à se corser. Je connais les Mario Bros par cœur. Et je te jure qu'à partir du monde 2, ça commence à... Le monde 1, c'est toujours... Là, on est à 6 minutes déjà, donc c'est pour ça que ça... Ça serait bien au moins... Oh! Ouais, j'adore cette feuille. Oh cool. Ah, la deuxième pièce. Ouais. Donc ça serait bien d'attaquer le premier boss déjà, voilà. Donc on va essayer de le faire en plusieurs parties. Donc si jamais on termine... Ouais, Shallow. Ouais. Oh. Il y en a 8. Je veux le faire. Allez. Oui. Ouais. Une fleur. Une fleur, super. La meilleure fleur. Non, non. Oh, non. C'est trop bien fait, j'adore ce Mario, hein, franchement. Moi aussi. Il est même encore mieux que celui de la 3DS. Hein. Oh que oui. Ah. Puisque la Wii U c'est après. Ouais, parce qu'en plus sur la 3DS il n'y a que 6 mondes, je sais pas pourquoi ils ont fait 6 mondes. Sur la 3DS il n'y a que 6 mondes, alors que là il y en a 8, comme d'hab. Allez, bon, allez, c'est fini, tranquille, voilà, tranquille. Ah, là c'est facile, là. Allez, tu peux. Ah, on a pas eu la troisième grosse pièce, mais c'est pas grave. Allez, vas-y, vas-y, allez. Allez, vite. Ok, ouais. Bon, ça va. C'est bien. C'est bien quand même. Donc, stage terminé. J'ai 6 ou 7 vies. Ah non. Bêta 6 vies. Donc, ouais. Pour l'instant, ça va, ça part bien. Ouais. Donc, on va directement au premier mini-boss. Et, waouh. Wow. Quoi? Quoi, c'est quoi ça? Oh, ils ont une pitch ici. Ok. Vas-y, il y a plusieurs cinématiques. Ah, il y a plusieurs cinématiques à chaque fois. Ah, je savais pas ça. Ouais. Ah, attends, c'est super. D'abord, je fais lui. Ah, mais c'est un niveau champignon. Oh, pardon. Bon, alors le jeu est simple. Frappe les blocs. Mais non, mais qu'est-ce que ça fait? Ok. Faut que je suive l'étoile. C'est pas compliqué en fait. Oui. T'inquiète, je la suis. C'est encore plus. C'est bon. Tu peux frapper deux blocs. Mais attention, si tu tombes sur le Bowser, c'est fini. Ah, mais j'ai pas suivi l'autre. Oh, la chance. Mais l'étoile, ça, je le savais, mais bravo. Non, je l'avais pas suivi. Bravo, c'est bien mérité. Mais en fait, c'est facile, ce jeu. Alors, à part si à la fin, il y en a 10, là, ça va commencer à devenir difficile. Ouais, ouais. Voilà, donc, nouveau. Donc, on a un champion et une étoile, comme sur la Wii. J'aime bien les jeux sur la Wii, ouais. Le Mario Bros Wii, moi, c'est celui que je préfère, ouais. Parce que sur la DS et tout, c'est... Oui, oui, oui. Mais celui-là, il est encore mieux. Tour, tic-tac, tic-tac, boum. Tic-tac. Tic-tac, t'aimes le tic-tac. Ok, ça, c'est le... Bon, c'est en tout cas, je te rappelle, donc, je vais te dire qu'à la fin de ce niveau, ça sera donc... Est-ce qu'il y a des trucs de glace? Oh, oh, je le dis, il y en a. Oh, oui. Pour glacer les trucs et pour les prendre, Y et ZR. Y d'abord. Y, voilà. C'est bon. Donc, on continue. Donc, à la fin de ce niveau, ça sera donc la fin de la vidéo. Ouais, c'est ça, la fin de la vidéo. Ouais, donc à chaque fin de mini-boss et de boss, eh bien, on arrête la vidéo. On a combien de temps? Voilà. Et si jamais on n'arrive pas à un mini-boss ou à un boss, eh bien, oh. Eh bien, on arrête quand même. On arrête au bout d'un quart d'heure. Voilà. Donc là, on est à 10 Attends, minutes. Déjà, il n'y a pas les réserves. Ouais. Ce que j'aime bien sur la 3DS, c'est que tu as des réserves. Tu
peux attraper deux fleurs, t'en as une en réserve. Mais même là, tu peux avoir 10 réserves, hein. Oui, mais non, mais ça, c'est pas pareil. Enfin, ouais, c'est encore t'es dehors. Sauf que, oui. Mais c'est encore mieux. C'est encore mieux que la 3DS, hein. Y d'abord, Y. Mais je fais Y. En fait, ça me fait juste passer. Non! Oh là là, tu perds du temps. Tu sais, on a aussi un temps. C'est le boss faire. Ouais, en plus, t'as du temps, hein. T'as largement le temps. T'es au moins 10 minutes à chaque fois. Enfin, pas 10, enfin là, t'avais. Non. T'avais 8 minutes mais à peu près. Mais non, mais il suffit de. Oh là là. Ouais, tout de suite. Ouais. Il m'y a enfin passé l'obstacle, donc on continue. T'es même pas arrivé à aller là. Non, mais. Ça fait 2 minutes. Même pas. Ah, t'avais même pas besoin du truc. Ok. Bon, en même temps, c'est que le début, hein. C'est nouveau, c'est. Le monde 1, c'est toujours un mode de transition. Sauf qu'après, faut vite s'y habituer parce qu'après, ça devient dur. Moi, pour moi. J'ai pas joué à Mario Bros, c'est pour ça que je suis nul. Pour moi, le monde 2 jusqu'au monde 7, c'est la même chose. Après, le monde 1, c'est super facile. Le monde 8, c'est ultra difficile. Ah, en fait, faut appuyer en même temps quasiment. Ben oui. Mais tu m'as dit Greg d'abord. Eh ben. Allez. Ah, là, par contre, c'est dur. Je sais pas si. Parce que tu peux te faire écraser. Oh, vache. Vas-y, tu perds du temps. Allez. Donc à la fin de cette vidéo, donc je vous rappelle, donc c'est. Donc on espère au moins que Rémi va battre le boss parce que. Il devrait normalement être facile. De toute façon, c'est le même à chaque niveau. Donc ça veut dire qu'il devrait être de même intensité, sans qu'il devrait y avoir des difficultés à chaque moment. Voilà. Et donc, oui, je suis à la super porte. À la porte du mini-boss. Non, je sais pas comment il s'appelle, mais... Ouais, ça va... Ouais. Tu me vois comment je vais te glacer. Oh, mais je vais te glacer en moins de 2. Ouais, c'est ça, c'est trop facile. Mais en fait, quand tu le glaces, il se déglace en moins de 2, lui. Mais c'est qu'il donne des coups partout. Tu te fais pas tuer. Mais il donne des coups partout. Quoi? Tu t'es fait tuer? Mais il donne des coups partout. Oh là là. Allez, c'est parti. Allez, là, Rémi, là, tu le vas. Voilà, enfin. Bon. Une minute perdue, mais voilà. C'est pas grave. De toute façon, c'est encore un débutant, Rémi, sur ce jeu. Donc, c'est la fin de cette vidéo, du coup. Alors, attends, on va voir quand même. Est-ce qu'il y a une cinématique? Je sais pas, faudrait voir. Non. L'univers vous permet de partager. Vos impressions et vos expressions, juste avec... Ok. Quoi? Vous avez la possibilité de publier un message en cas d'échec répété. Oh, Rémi. Rappelez sur la carte des gens entre joueurs ou dans les messages. Ok. D'accord, hein, c'est super. Vas-y, fais un. Je sais pas, je suis. Bon, voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. On va continuer donc la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas, on va vous donc vous mettre des vidéos. Voilà, donc la prochaine fois, on va essayer donc de finir le monde 1. Hein. J'espère que Rémi ne soit pas trop. Putain, mais j'ai envie de voilà. Dire, je peux pas. Allez, en tout cas, vous gardez la surprise quand même. Voilà, hein, ouais, hein. Oh, wesh, oh, c'est trop super, ok. Ouais. En tout cas, on a été bien impressionnés aujourd'hui. Donc, en tout cas, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez donc mettre un pouce bleu sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Donc, partager la vidéo, liker, mettre un bon commentaire si vous avez des fautes répétées. Donc, et donc, surtout à vous abonner à notre chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo de MaxiR Gaming. Salut! À la prochaine!